Courbevoie a longtemps figuré sur la liste des nombreux bastions de la droite dans les Hauts-de-Seine, jusqu'aux dernières cantonales en 2011 avec ce mini tremblement de terre, l'élection d'un conseiller général socialiste au pied des tours de la Défense. Ah, c'est bien, je suis avec vous. Merci. Je compte sur vous. Après les cantonales, Jean-André Lasserre rêve de l'emporter aux prochaines municipales. Pour faire campagne, il a choisi de monter sa tente sur le trottoir. C'est symbolisé aussi la façon avec laquelle on m'a traité quand j'ai été élu conseiller général, puisqu'on m'a refusé d'avoir le droit d'avoir une permanence pour rencontrer les habitants. Donc j'ai inventé une autre formule qui est cette permanence mobile et qui est devenue le symbole de notre campagne. Dans son programme, le candidat PS s'oppose notamment à un nouveau projet de tour jumelle à la Défense. Pour qu'on soit attractif, il faut travailler sur la qualité des services proposés et non pas se contenter de rajouter des tours. Aujourd'hui, toutes les tours qui sont livrées ne trouvent pas preneur. Donc l'enjeu, il n'est pas là. Moi, je suis un ancien chef d'entreprise. Je pense que dans une ville, on doit chercher de l'emploi. Or, ces tours vont apporter de l'emploi. Jacques Kosowski est le maire de Courbevoie depuis 18 ans. Et pour continuer à développer le quartier d'affaires, il entend bien rester aux commandes de la ville, malgré le scandale qui éclabousse Courbevoie depuis l'été. Un trafic de HLM. Le gardien de cette résidence attribuait des logements contre des enveloppes en liquide. La mairie n'a rien vu ou n'a rien voulu voir. Il y a une enquête qui est diligentée. La justice nous dira ce qu'il en est. Et en fonction des résultats de justice, à ce moment-là, j'interviendrai ou pas. Et les gens me demandent de bien vouloir continuer. Bon, il est bien évident que je ne vais pas continuer ainsi pendant 15 ou 20 ans. En cas de réélection, Jacques Kosowski a prévu de passer la main en cours de mandat. Peut-être à cet homme, Éric Césari, numéro 3 de l'UMP, et proche de Nicolas Sarkozy. Il fait figure d'héritier probable. Arash de Rambarche, lui, a endossé un autre rôle, celui du rebelle. Lui-même issu de l'UMP, il pourrait se présenter contre le maire. Il est dit, de façon très probable et sérieuse, qu'il laisserait sa place au bout d'un an à un de ses adjoints. Je trouve pas ça démocratique, désolé. Quand on se présente à une élection municipale, on se présente soi-même pour un mandat qu'on revendique, pas pour laisser la main un an après. À Courbevoie, la bataille de succession a donc déjà commencé. La première manche aura lieu devant les électeurs en mars. Si le maire est reconduit, la deuxième manche se jouera dans quelques mois en coulisses.